Alors attendez, je vais retourner sur le live. Drac TV. Voilà, donc c'est parti les gars, on est sur la vue de Monsieur Anthrax. Oh là 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 là. Attention, est-ce que Anthrax? Anthrax! Oh là là les gars, c'est quoi ce beau jeu? Pouh! Et clairement les gars. Waouh. Là les gars, c'est que ça vient de se prendre une très 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 grosse balle. Ils font quoi? Showmatch! Showmatch en 2v2. Donc du coup, on est sur la POV de Yex. Malheureusement, Anthrax est mort. Je crois que c'est en 1v1. 1v1. Tac. Donc c'est parti. 1v1. Est-ce que Monsieur Yex va parvenir à les tuer? C'est parti. La rediffusion sera sur. J'arrive sur le Discord de la chim. Si tu veux. Ok, donc c'est parti. L'escalier qui a été repris par monsieur. Par l'ennemi. Je sais pas, je crois que c'est Fighting Kaito. Ok. Ok. Waouh, il s'est pris un moins 30, je crois. Ok, c'est parti. Je vais arriver sur le Discord de la chim. Si tu veux. Bon, on voit que premièrement, ça a pas l'air d'être trop. Ça a pas l'air de se battre trop, on va dire. Et la première manche gagnée. Ok, c'est parti. On est de retour avec la Oko. Là. Waouh, monsieur qui se prend beaucoup de balles. Monsieur Yex qui se prend beaucoup de balles. Je crois que c'est Yex et oui, c'est bien Yex. Wow, la balle ratée de Monsieur Yex de la Oko. Attention, est-ce que la Oko va parvenir à attaquer la Fightic Esport? Attention, est-ce que la Fightic. La Oko qui pour l'instant les mène à 0. On voit que le match est assez compliqué. Attention, est-ce que la Oko est comme en retrait de flou? Oh! Et la deuxième balle! Et la deuxième balle! Et la deuxième balle! Allez, boum! On observe les joueurs de la Oko qui claquent 1-2-0. Attendez, j'ai juste cherché à boire le temps. J'arrive. Ok. Ok, on est parti pour la troisième manche. Et le 3-0, et le 3-0 qui passe pour Monsieur Yex de la Oko eSport. Voilà le 3-0. C'est magnifique les gars, le 3-0 qui passe encore une fois. GG à eux, 3-0. Attention, est-ce que peut-être le 4-0 va-t-il passer? Est-ce que le... Ah, attention, on voit que Monsieur Anthrax est parti rush. Monsieur Anthrax qui est parti rush. Attention, est-ce que là, comment on peut peut-être faire un quatrième score? Attention, attention, attention. Oh, est-ce qu'ils vont le piocher? Est-ce qu'ils vont le piocher? C'est magnifique. Clairement, c'est clairement magnifique. La Oko qui vient de pioche. La Fightic.
Donc on est sur du 2, 3-0 ou 4-0. On est sur du 4-0. Eh oui, 4-0. Pour la Oko, qui ne laisse aucune chance par ailleurs à la Fightic. Voilà, ça rush. Ah, je vais juste en démute pour les dire de les de pouvoir. Hein? Hein? Les gars, si vous pouvez screen à la fin, s'il vous plaît. Le score. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sens que vous allez gagner, mais bon. Quand même. Merci, les gars. Ok, donc on est parti du côté de la Oko. Encore la Oko qui font que rush. La Oko qui ont envie de gagner. On observe, attention, est-ce que la pioche va être suffisante? Et le moins de sang. Et le moins de sang pour le joueur de la Fightic. Et bien joué. Et le 5-0 claqué pour les joueurs de la Oko. On observe que la Oko, voilà, va rush l'ennemi, va chercher les kills. Et ça, c'est vraiment très très satisfaisant. On est sur du côté de Yex. Attention, Yex qui a été très 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 surprenant lors des trois premières manches. Voilà, il a été chercher les kills. Voilà, ils y vont en solo. Ils ont peut-être un peu de chacun de leur côté, mais ça passe. Le potentiel peut-être du niveau n'est peut-être pas très très élevé en face. Mais bon, voilà. On observe que ça essaie comme des techniques. Voilà, c'est que ça tempo. Attention, escalier jaune. Monsieur Yex qui essaye de reprendre les walls, on dirait. Eh bien, bonjour Yazar, comment tu vas par hasard? Ok, donc on est parti. On est de retour avec les joueurs de Laoko. Attention, Laoko. Est-ce que, attention! Oh, et le moins 190. Et malheureusement, manche 6. Laoko qui vient de perdre sur la manche 6. Voilà, c'est pas grave. 5-1. Ah non! Oui, voilà, sur la manche 6. Donc 5-1 pour les joueurs de Laoko quand même. C'est comme du beau jeu. Ok, on est reparti. Attention. Salut à ceux qui sont arrivés sur le stream. Donc on est reparti. Ok, donc là on est sur la POV de monsieur. De monsieur, je ne sais pas, je connais. De Fatik Dames. On est sur la POV de monsieur Fatik Dames. Voilà les joueurs de la. Oh, ils ont réussi en métanoc. Attention, est-ce que l'autre kill va peut-être passer? Oh, le kill pour les joueurs de la Fightic. Est-ce que monsieur Yex va parvenir? Attention, est-ce que monsieur Yex va parvenir à les tuer? Est-ce que monsieur Yex? Monsieur Yex, il en a mis un knock. Vous voulez showmatch contre nous? Non, 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 désolé. Pas pour le moment. Pas pour le moment, peut-être après. Ok, monsieur Yex. Et c'est monsieur Yex qui a envie. Les deux joueurs de la Oko qui ont le même skin. Ok, c'est parti. Est-ce que de tempo, je crois que le joueur de la Fightic n'a plus beaucoup de vie. Oh, attention! Oh, Yax qui tente d'aller chercher l'ennemi. L'ennemi qui tente de se protéger. Et attention, est-ce que. Waouh, 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 waouh. Les trois têtes pour les joueurs de la Oko qui s'emballent sur un 7-1. Je pense que ça va se finir encore en 10-1. Je ne suis pas sûr. On va voir ça tout à l'heure. Alors, est-ce que. Ok, c'est bon. Tac, tout est bon. Est-ce que. Dans les commentaires, est-ce que vous pariez sur un. Vous pariez sur un 10-1, 10-2 pour les joueurs de la Oko? Je ne sais pas. Ok, les joueurs. Ouais, ça bug encore un peu. Ok, des coups de rollback. Oh, le joueur de la Fightic qui a essayé de se glisser. 10-2. 10-2, tu penses? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ça, on va voir ça. Alors, la Oko. Ok, donc les joueurs de la Fightic qui essayent de rush, mais en tout en se protégeant. Voilà, monsieur Yex, je crois. Oui, on est sur monsieur Yex. Oh, monsieur Anthrax. Oh, attention, est-ce que monsieur Yex qui essaye de parvenir? Est-ce que le double kill de monsieur Yex? Oh, Anthrax qui vient aider monsieur Yex. On voit que les joueurs de la Oko sont quand même bien organisés. Ok, c'est parti, monsieur. Monsieur Yex. Pouah. Allez, on part sur du 8-2. Pour les joueurs de la Oko, 8 ou 7-2, ou 7-1, pardon, non, j'allais dire 8-2, 8-2 ou 7-2, là on est à la 8ème manche, donc voilà, donc 7-2 pour les joueurs de la Oko, ce qui est quand même un très 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 beau score, hein. Pour l'instant, je vous avoue que ça enchaîne les kills, poids, est-ce que le joueur,
Waouh, il s'est pris comme une grosse balle, mais il a su parvenir. Voilà, on observe que les joueurs. Oh là 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 là. Les gars, c'est magnifique. Manche 9, toujours 8-1 pour les joueurs de Laoco. 8-1 pour les joueurs de Laoco. Donc je pense que moi, soit ça va se finir sur un 10-1, soit sur un 9-1. 9-1 logique, parce qu'ils ont eu un kill. Mais on verra bien, on verra bien. Donc là, on est sur la POV de Monsieur Yex. Yex, joueur PS4. Non, joueur CS, Monsieur Yex. Monsieur Yex, joueur CS. Oh, la belle balle à 54 ou 56, je n'ai pas bien vu. Ok. Wow. Oh, et Monsieur Fightic. Oh, attention, est-ce que peut-être la Fightic va pouvoir mettre un deuxième point sur ce show match? Il vient de le finir. Monsieur Anthrax qui retourne dans sa box pour peut-être prendre de la vie, recharger ses armes. Attention, est-ce que Monsieur Anthrax va pouvoir parvenir à faire la différence? Attention, il essaye de reprendre les walls. L'escalier qui est dit. Oh, Monsieur Anthrax qui préfère revenir en retrait. 8-2, je le mets dans les commentaires pour ceux qui veulent savoir. 8-1, pardon. 8-1 pour la Oko. Voilà. Le 1v1 qui dure un peu. Ok, on observe que ça reprend en retrait. On analyse le joueur, on voit comment ça joue un peu. Attention, est-ce que ça va peut-être? Oh, et le pré-shoot de la Fighty qui a failli faire la différence. Le 130, Monsieur Anthrax qui cale à 130. Oh, la balle qui a été ratée. Attention, est-ce qu'il va essayer de le pioche? Avant qu'il se remette de la vie. À mon avis, le joueur de la Fighty s'est remis de la vie. Ok, on observe les joueurs de la Fightic. Et n'oubliez pas les gars que la rediffusion va être. Et le 144. Et à mon avis, la Oko qui a gagné en 9-1 ou 10-1 pour ceux qui préfèrent. 9-1. La prochaine manche. Ok, donc je pense qu'on va faire. On va aller jusqu'à 10. 10 manches, pardon. Donc voilà, la Oko, je pense qu'il va l'emporter. Sur ce show match. Voilà, contre la Fightic. Waouh, on observe les belles extentes du beau jeu de Monsieur Anthrax. Oh, le moins 100, le solo vs duo. Le solo vs duo de Monsieur Anthrax, est-ce que ça va marcher? Attention, le solo vs duo, est-ce que la Fightic va pouvoir parvenir à mettre un deuxième point? Ah, je ne pense pas. Ok, ça se régène. Les joueurs de la Oko qui vont chercher le kill. Oh, le 140. Il doit lui rester 40 HP, un PV. Oh, il aurait pu le pioche. Et la Oko qui finit en beauté 10-1 pour la Oko. 10-1 pour la Oko, c'est vraiment magnifique les manches.